Alors, vous venez de voir Mathis qui participe au défi 24 heures Tremblant, qui se déroule en ce moment à Tremblant. De nombreuses équipes en participent. Elles font des courses à relais, ski alpin, planche à neige, randonnée, marche course. Et les fonds amassés sont remis à trois fondations vouées à la cause des enfants. Donc, on retrouve Mathis Péloquin, un des enfants donc, qui est soutenu par la Fondation du CHU Sainte-Justine, également ses parents, Daniel Péloquin et Kathleen de Repentigny. Merci d'être avec nous. Daniel, Kathleen, je vais commencer par vous. Parlez-nous de Mathis. Il a été opéré pour la première fois au cœur à 18 mois. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il a eu une opération au cœur à 18 mois pour boucher deux petits trous qu'il avait dans son cœur. Et puis, sa scoliose a été découverte quand il avait à peu près 6 mois. Puis, il a porté en alternance des corsets Boston, des corsets plantrés, jusqu'à une première opération où on lui a installé des tiges de croissance à 7 ans. Et depuis, il se fait opérer à chaque 6 mois, puis maintenant, c'est à chaque 4 mois pour permettre la croissance de son tronc. Et ça va se poursuivre comme ça, combien d'années, vous pensez? Jusqu'à l'âge environ 16 ans. Ah oui. À l'âge de 16 ans, ils vont fusionner les vertèbres là, pour y retirer les deux bords de vitale qu'il y a dans le dos. Et Mathis, c'est un grand sportif, hein? Lorsqu'il sera guéri, là, Mathis, tu veux participer, tu veux faire de la compétition? Mathis veut faire de la compétition, oui. C'est tout son rêve, c'est de pouvoir faire de la compétition de ski. Et en ce moment, il en fait de manière très soutenue quand même, éventuellement, mais... J'aimerais ça être dans une équipe en bonne étoile. Bon, on y souhaite, c'est sûr. Et expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous, 24 heures Tremblant, et tous les enfants là, comme Mathis. Bien, cette année, la Fondation du CHU Sainte-Justine est une nouvelle bénéficiaire du 24 heures Tremblant. Donc, tous les enfants de Sainte-Justine, dont Mathis, bénéficient de tous les dons. Donc, c'est super important. La recherche aussi que la Fondation parraine. C'est très, très important pour faire avancer des cas comme Mathis, qui a plusieurs années pas si loin que ça, n'aurait pas eu la belle vie qu'il a aujourd'hui. Ah, donc, oui, les dons sont importants pour permettre la recherche, faire avancer ça, pour que les enfants puissent guérir, passer, avoir des belles vies, puis réaliser leurs rêves. Mais c'est intéressant ce que vous dites. En quoi la Fondation a aidé Mathis à avoir une meilleure vie? Bien, c'est si on prend, par exemple, les implants qu'il a dans son cœur, c'est venu d'un nouveau programme. Sainte-Justine a, par le biais de la Fondation, eu la première salle de chirurgie par cathétérisme cardiaque pour les enfants. Il a été dans les premiers qui ont bénéficié de ça. Puis avant, c'était des opérations à cœur ouvert. Puis Mathis, lui, la sienne, s'est pas déroulée à cœur ouvert. Ils sont passés par les grandes artères dans ses aines. Donc, ça lui a permis d'avoir une convalescence ultra rapide plutôt que d'être passé à travers une opération à cœur ouvert. Ah oui. Puis, c'est la Fondation. Ben eux, ils font toutes sortes de recherches et de travail comme ça pour permettre le développement de toutes ces nouvelles technologies-là. Et Daniel, est-ce que vous trouvez ça beau de voir cette solidarité-là? À quel point il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui participent aux 24 heures Tremblant et qui donnent? C'est incroyable l'esprit de famille, d'équipe qu'il y a ici. C'est quelque chose, nous, qu'on pouvons pour la première fois. Puis c'est, je suis persuadé qu'à chaque année, on va mettre l'épaule à la roue. Mais merci on a beaucoup. Fait une équipe. Daniel, merci beaucoup, Mathis. À bientôt. Merci.